Donc bonjour à tous, on est lundi, il est 5h02. Et là je viens de faire mon plein à la S24 et je m'en vais direction Rennes. Je vais vider un chantier livraison à la grue normalement. Donc j'ai rendez-vous à 14h. Donc j'y serai bien avant mais voilà quoi, je préfère partir en avance et puis être tranquille que d'arriver que de rouler trop tendu quoi. Donc maintenant, direction Rennes, donc on est à 577 km. Allez! Pour mon dessin animé, je m'en balance. C'est ces prophètes qui veulent me toucher les cinq sens. Je m'honorais des belles rencontres pour la forme et la confiance. Y'a toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences.
Donc là, il est... Attends, je mets ma ceinture parce que je sors de la cour du client. Il est 14h48 et je m'en vais chez mon client. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai vidé la grue, j'ai pas pu filmer parce que le mec il m'a saoulé. Le grutier, casse-couille quoi, enfin bref. Donc j'ai pas pu plus filmer que ça. Donc malheureusement, ça est juste, j'ai même pas une minute, je pense. Mais bon, puis voilà, donc là je vais recharger, je suis à 20 km, puis je recharge pour le 69. Donc je vais arriver là-bas vers 15h pour charger, 15h10, 15h15, 15h15. Et après je rechargerai pour 69. Et puis bah voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Ça a bien été, quand je suis arrivé à 14h, 14h48, j'ai vidé la grue. J'ai débâché de derrière, j'ai débâché de devant, le toit. Forcément, ça voulait pas quoi, donc il a fallu tout débâcher. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça se fait. Quand la remorque est attitrée et entretenue, ça va bien, donc va bien, ça va. Il y a pire, on va dire. Bon, allez, je vous reprends plus tard. What a wonderful là il est, il y en a une qui arrive comme une balle, il est 16h25 et je viens de recharger et du coup je vais pas dans le 69, je vais y poser au dépôt en fait, parce que normalement c'est rendez-vous que le matin pour vider et en fait je peux pas y être demain matin, bah le matin c'est livraison avant 11h et moi je vais y arriver, ça va être midi moins le quart donc et puis voilà, puis Vincent a essayé mais bon il veut rien savoir quoi. Oui, ah, parce qu'il y a un trou dans la route en fait. Et puis je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Donc je pourrais pas vider avant l'heure. Donc du coup j'y pose au dépôt et moi je vais les recharger, je sais pas où encore. On verra bien ça demain matin. De toute façon là il me reste 2h15 à rouler, donc je vais toujours pas aller bien loin. Et puis voilà, voilà. Allez, à plus. Don't let me down, down, down.
Donc là il est 13h, je suis revenu au dépôt, j'ai vidé mes trucs, ce que j'ai chargé, ce que je pouvais pas vider. Donc j'ai tout vidé, comme vous avez pu le voir. Et maintenant je vais recharger à Guignon. Je recharge pour Ernée. Donc là j'y vais et puis voilà, et après je roulerai ce qu'il me reste à rouler. Ah, toujours pas aller bien bien loin, je sais même pas, bah là à 34-30. Attends, je ferme le portail, je sais même pas exactement. Ouais, puis après on verra bien ce qu'il me reste à rouler et puis on videra ça demain. Il faut un petit moment quand même pour monter là-haut, on verra bien. Allez, je vous reprends plus tard.